Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un enfant? C'est censé ressembler à un enfant. Ouais, je te le fais pas dire. Chasse la poule. Alors qu'il y a pas qu'il y a une vieille encore qui sort. Ben parce que tu passes devant la caméra. Un mendiant qui habite dans une belle maison. Ça fait sérieux. Des tonneaux. Oh, des oies. Ah. Ouais. Chasse les oies. Quoi. Une naine, ça? Ce serait pas plutôt un nain? Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous lui voulez à ce nain? Lui raser la barbe, qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, c'est une bonne idée. Je vous conseille, non. Vas-y. Je vais y aller. Divertissant. Battez-vous, allez-y, abattez ce nain. Ce nain, porte quoi? Moi, je fous des cadavres pendant ce temps-là. Tu vas mourir. Mais il a une hache et une torche en même temps. À 4 contre 1, ils vont pas réussir à le battre. C'est bien, mais le nain fait le ménage pour moi. En même temps, il est en vert, je peux pas l'attaquer, je crois. Vous tapez les mouches avec toi, on pourra garer un carrosse dans ton cul. Ouais, c'est la finesse naine, hein, ça. Ouais, c'est ça, casse-toi. Un glaive rouillé. Bah, je vais sûrement pas prendre un glaive rouillé. Hein. C'est par là. Une seconde. Cette toux incessante est agaçante. Oui, ça va, j'ai rallumé le micro. Eh ben, t'en fais du bruit quand tu bois. Surtout que tu bois à travers un foulard. Pourquoi pas? Ah, un livre. Contre les non-humains anonymes. Des elfes. Ouais, battons les elfes. La gloire aux orques, les elfes, c'est des tapettes. Et les nains, on leur mange sur la tête. Bon, je vous laisse lire, blablabla. Elf, gnome, blabla. Ok. Faut que je fasse la connaissance de ces gens. Je les apprécie. Je ne suis pas un humain moi-même, donc... Ah ben non, qu'est-ce que je raconte? Je ne suis pas humain, je devrais les abattre. Ah, quatre consciences, je dois sauver des elfes. Non. Bon, arrête de boire. Bienvenue, vous êtes... Arenbrog, marchand et intermédiaire à votre service. Quel bon vent vous amène? Qu'est-ce que vous proposez? C'est le révérend qui vous envoie? Bien sûr. Évidemment.
J'ai du mal à vous croire. Regarde mon anneau. Baise-moi la main, s'il te plaît. Je suis l'envoyé du révérend. Par le feu éternel. Un cadeau du révérend ? Non, je lui ai arraché de son doigt encore ensanglanté après que je lui ai coupé la main. Mais ceci n'est qu'un détail. Il pense que vous avez besoin d'un sorceleur. Le révérend m'envoie. Il pense que vous avez besoin d'un sorceleur. C'est vrai. Les morts sortent du fleuve la nuit. Aidez-moi. Le prix importe peu. Ah ben... Le prix importe peu. 10 000 orins. Mais j'ai pas le choix. Je ne demande que 200. Je vous aiderai en échange d'informations sur la salamandre. Et 200 orins pour couvrir mes frais. Chercher la salamandre, c'est chercher les ennuis. Mais ça me regarde pas. J'accepte. Saleté de mort-vivant. Ils effraient la clientèle et détruisent mes caisses. Et cette cargaison est prévue pour un client très particulier. Ok. Où est-ce que je trouverai ces noyeurs? Où est-ce que je trouverai ces noyeurs? Au bord de la rivière. Ils sortent à la nuit tombée. Bien. Sorceleur! Oui? Ces intonations de voix qui n'ont absolument aucun rapport avec ce qui se passe. Ça m'a déjà fait mourir de rire dans le premier épisode. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans le premier épisode, ils sont en train d'être attaqués et ils parlent tranquillement. Ils en ont rien à foutre. C'est « Oh mon Dieu, le château est attaqué. Qu'allons-nous faire ? Si nous allions voir dans la cour. Ah oui, tiens, quelle bonne idée. C'était vraiment... » Et ici, le gars, je suis là, il me fait « Sorceleur !» comme s'il m'appelait. Non, en fait, il m'appelle pas. J'ai trouvé ces drôles de dés. J'ai trouvé ces drôles de dés. On dirait de l'artisanat nain. Pas ici. Vous allez nous attirer des ennuis. Vous avez peur d'une boîte ? Avec toute votre contrebande ? C'est l'instinct de survie. Le révérend déteste ce jeu. Vous savez de quoi il s'agit ? Non. C'est clairement pas l'œuvre d'humain. C'est diabolique. Les nains en sauront sûrement davantage. Oui, les nains sont diaboliques. Merci. Ça, c'est... Je l'ai toujours dit. Au moins pour ça. Par le feu éternel. Un cadeau du révérend ? Quoi ? Quel rapport ? Qu'avez-vous à vendre ? Mais j'ai pas de sous, donc de toute façon, ça sert à rien que je regarde ce que tu as à vendre, je n'ai rien pour t'acheter. Abigail, j'ai besoin de me reposer sur votre paillasson. Un mendiant. La viande de la boucherie, elle est dégueulasse. Mais sois déjà bien content de la manger. Tu as de la chance que je ne puisse pas sortir mon épée. Les mendiants m'insupportent. Comme les humains. Comme les elfes, comme les nains, comme tout le monde. Je veux vivre seul sur Terre. Je sais pas c'est quoi ces plantes, mais... Je sais pas où je vais là en fait. J'avance par là, mais je sais pas où je vais. Chapelle Mikul. Ah ben voilà. Mikul, apparemment, c'est le garde qui tient le pont. Ah ben j'aurais peut-être pas attendre la nuit, elle est en train de tomber, j'ai l'impression. N'est pas assez payé pour ça. T'aurais pas oublié un haut tout d'une fois. Halt ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux entrer dans la cité. Elle est... comment qu'on dit déjà ? En trentaine. Et elle va durer longtemps, cette... J'en voudrais une cinquantaine, ça ira. Y a que le commandant qui sait. Et je suppose que le commandant est à l'intérieur. Est-ce que cette quarantaine concerne tout le monde ? C'est pas. Certaines personnes peuvent entrer ? Ceux qui ont des sauf-conduits, ils ont le droit. Vous avez un instant ? Vous avez un instant. Il sait que vous êtes là. Tu sais pas lui demander s'il a un sauf-conduit plutôt qu'un instant ? Bien sûr. Bien sûr. Je vous crois pas. Hein ? Il vous a donné quelque chose ? Vas-y, baisse-moi la main, le garde. Hé, il m'a piqué ma bague ! Le révérend a dit « Vénère le signe du feu ». C'est vous qui l'a envoyé. Oui, je suis le signe du feu, si ça t'amuse. Vous auriez besoin de moi. Le révérend dit que vous pourriez avoir besoin de moi. Bah... On m'a dit d'éliminer ces morts-vives.
Des morts-vives? Je dois aller dans la crypte au bout de la route. Mais je me suis jamais battu. Quoi? J'ai trop la trouille. Mais t'es un garde! Des morts-vives, vous dites? Si t'es battu, tu es un garde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est n'importe quoi. Le mec, c'est un garde, il s'est entraîné à se battre à l'épée, il dit « Je sais pas me battre ». C'est quoi ces conneries? Comment t'as fait pour être garde? Ah là 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 là. Bon, ben, tu me donneras des sous alors. Je m'occuperai des monstres pour 200 orins et vous direz au révérend que je vous ai aidé. D'accord, mais j'ai pas beaucoup d'or. Enfin, c'est pas grave. Tant vous massacrez ces morts-vives. Adieu. Comme il lui a dit ça. Ok. Je dois tuer dans les trucs dans la crypte maintenant. Non, c'est pas ça que je voulais. Maison d'Abigail, maison d'Arenbrock, marchandises d'Aren, une chapelle et une crypte. Elle est là-bas ou pour la crypte? Apparemment, il y a quelqu'un ici. Regarde, il y a la fumée. Il doit y avoir quelqu'un. C'est pas une maison abandonnée. Si, c'est une maison abandonnée. Il était pas dans son assiette, celui-là. Oh, chouette, j'ai un chopé plein d'ingrédients. J'aime trouver des sous. Ah, un singe! Non! Non! Je ne suis pas ton genre, laisse-moi tranquille. À cause de cette maudite peste, impossible d'entrer dans Vizima. Bon, je vais arrêter de tuer tous les gens que je croise, sinon je vais finir en prison. Il fait pas encore nuit. Je sais plus où je vais là. Là, je vais vers la crypte. Non, je vais aller vers chez Abby. Ah non, je peux peut-être aller maintenant à la crypte tant qu'il fait jour. C'est quoi ce truc bleu? C'est quoi ce truc bleu? Les sites d'énergie. C'est quoi un site d'énergie? Vous pourrez préciser, merci. C'est quoi un site d'énergie? En tout cas, rien avant d'avoir sauvegardé. Bon, ça, c'était le début. Ah, ça me donne une régénération de quelque chose. Rituel de magie, augmente la puissance des signes de 100% pendant 5 heures. Bah, pourquoi pas. Ah, il y a aussi un monstre dans la crypte, c'est vrai. Les ghouls ont dû être attirés par le cadavre de cette femme. Elle a dû mourir après avoir bu à cette bouteille. Zone sombre. Quand vous êtes dans une zone sombre... Absorbez un élixir chat ou allumez une torche pour améliorer votre visibilité. Je n'ai pas pris de torche. I.
Est-ce que j'ai un élixir chat? Blizzard. Non, je n'ai pas d'élixir chat. Il faudra donc que je revienne plus tard. Solide, cette saleté. Eh ben, dis donc. Bon, je peux pas le fouiller. Par contre, je vais avoir besoin de... oui, ceci. Tu auras fini de ranger ton tâche. Voilà. Bon, je ne vois rien, mais c'est pas grave. C'est normal qu'on ne voie rien, hein. C'est... Moi non plus, je n'y vois rien. Ce n'est pas la vidéo qui déconne, ni même YouTube. Par contre, on voit bien le sang qui coule, ça, y a pas de souci. Ça fait de la lumière. C'est bon à savoir. Ils en ont rien à cirer, je leur tombe dessus, hein, c'est... Ça fait quoi si j'utilise mon épée dessus? Déjà ça. Lumière. Oula, 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 il y a du monde là. Hein. Oula, oula, c'est pas pour rigoler là. Hein. J'ai bu une potion. Un de moins. Toi, couché. Ah, ça a pas marché. Aïe, aïe, aïe. Non, il ne veut pas se coucher. Voilà. Je dois retourner voir Mikul pour ma récompense. Merci. Et l'autre créature, où est-elle? Oh, un cercle de feu intérieur. Il n'y avait pas un truc avec des... Avec des trucs de boule. Encore ! On va peut-être en profiter. On va manger un bout. Il
je ne vois rien.